Gloire au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, nous sommes bénis et honorés de participer à la louange de sa gloire. Amen. Jésus est le plus élevé. C'est pas n'importe qui participe à sa louange. Tu es un privilégié qui participe à la louange du roi des rois. Et nous sommes honorés, Père. Nous t'acclamons dans ce tabernacle. Nous t'acclamons dans tous les tabernacles où nous sommes en ce moment. Te rendons gloire, honneur et louange. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Trouve encore ce soir, alors que nous sommes au dernier soir de ce rendez-vous merveilleux des bases absolument certaines de notre autorité en Christ. J'aimerais que tu trouves cette personne que tu vas embrasser, serrer de tout ton cœur en disant, mon frère, ce soir, que ton cœur soit ouvert pour recevoir abondamment la connaissance et la révélation de Christ. Amen. Trouve cette personne et mon frère, ma soeur qui nous suit également en ligne. Si tu as la possibilité de trouver quelqu'un à tes côtés, va vers lui, embrasse-le de l'amour du Seigneur Jésus et dis-lui, reçois abondamment la révélation de Christ ce soir. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Hey. Amen. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Aïe. Sam, reçois l'onction, 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 l'onction. Amen. Je déclare, tu as reçu le nom. Hey, au-dessus de tout nom. Amen. Et je déclare, tout genou fléchira. Aïe. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Amen. Hey. Toute langue, en anglais, en arabe, en français, place ta langue maternelle, place ta langue maternelle, en gautier, en abouré, en chinois, en quoi encore? Toute langue confessera que Jésus a vécu le tombeau, disant, adorons Jésus.
venons ce soir adorons Jésus. Battons des mains en l'honneur du nom au-dessus de tous les noms. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est un protocole divin, mon frère. Acclame. Avant qu'on ne commence à chanter, acclame, acclame. Jésus passe au milieu de nous encore. Il est honoré, il siège dans les louanges de son peuple. Et tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a reçu. Adorons de tout cœur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Ce soir, adorons Jésus. Adorons Jésus, élevons son nom. En louange, adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Déclarons avec foi, tu as reçu le nom au-dessus. Tu as reçu le nom. Oh, amen. On déclare avec foi. Tu as reçu au-dessus. Toute langue confesse. Mais revenons et déclarons. Tu as reçu. Tu as reçu le nom. Non, restons sur cette vérité. Tu as reçu. Ce qui est en haut, au-dessus de ce qui est en bas. Tu as reçu le nom au-dessus. Oui, tu as, oh mon frère, coulisse, casque, les voix, tu as reçu, hey, les bras d'Abayam, tu as, honorons ce nom, tu as reçu, je dis, ce qui est au-dessus est au-dessus, ce qui est en haut est au-dessus de ce qui est en bas, Jésus a reçu, disons, tu as reçu le nom au-dessus, tu as reçu. Et tout genou disant, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Jésus et toute langue confesse. Et adorons, adorons Jésus, élevons son nom ce soir, adorons Jésus, élevons son nom. Et acclamons Jésus, acclamons. Amen. Tu es le prince des rois de la terre. Nous t'acclamons et nous élevons ton nom. Acclamons. Et maintenant disons, acclamons Jésus. Et une, deux, trois, on y va. Acclamons Jésus. Et acclamons Jésus. Tu es le roi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, je vois des étoiles dans le ciel qui acclament Jésus. Acclamons Jésus et le vent. Alléluia. Acclamons Jésus et le vent son nom. Tu es le roi des rois. Amen, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Amen. Après avoir reçu toute cette autorité, c'est toi Jésus que nous acclamons. Acclamons. Acclamons Jésus. C'est toi, c'est toi. Acclamons Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et nous reconnaissons ton autorité. Autorité. Autorité, elle va aider. Autorité, Makataya. Autorité, nous la testons. Autorité, autorité, pouvoir de chasser les démons. Autorité, de guérir les malades. Autorité. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Yélélé, yélélé, tu règnes, tu as toute autorité. Oh, disons, oh, oh Jésus.
Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Amen. Tu règnes. Apprenons, apprenons. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Yelele, tu règnes, tu as toute autorité. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Tu règnes. Oh, et déclarons avec foi autorité. Hey, attestons autorité. Autorité, elle t'a été donnée, Jésus-Christ. Maintenant, déclarons pour nos vies autorité. Oh, ça là, regarde ton voisin, dis-lui, ça m'a été donné. Emma. Voisin, ça veut-tu autorité? Dis-lui, voisin, autorité. Emma. Attrape sa main du voisin. À la fin de ces trois soirées, il faut que tu arrêtes de me regarder selon la chair. Regarde-moi, voisin. Tu vois l'autorité de Dieu sur la terre. Tu vois le corps de Christ. Tu vois le fils, la fille de Jésus. J'ai aussi toute autorité. Comme Christ a toute autorité. Crois-le. Oh Jésus, tu règnes, oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Tu règnes, tu as toute autorité. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Tu règnes, tu as toute autorité. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes en train de célébrer le Seigneur, un pas de danse vient à mon esprit en ce moment. Donc tu vois, tu fais comme ça. Autorité. Oh Jésus, tu règnes. Maintenant, il faut comprendre le pas de danse. C'est que quand tu fais comme ça là, la Bible dit qu'il a placé toute la puissance sous les pieds. Sous les pieds, le corps de l'église a toute autorité. Et tes pieds marchent et imposent le royaume des cieux partout où tu vas. Donc, quand tu fais comme ça là, en même temps tu penses à un défi, à un esprit de maladie que tu écrases rapidement pendant que tu donnes. Oh Jésus, tu règnes, tu écrases un esprit de pauvreté qui voulait te décourager, tu écrases un esprit de quoi encore, de détresse, tous ces esprits impurs, ces esprits méchants qui font guerre à l'église, tu vas les écraser simplement en louange. On y va ensemble, on fait comme ça. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Ah, je regarde même pas Dieu, tu as toute autorité. Alléluia, oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Amen, Dieu. Hey, marche sur les démons. Oh Jésus, tu règnes, tu as toute autorité. Et nous sommes ton corps, tu règnes, tu as toute autorité. Tu n'as pas besoin de faire trop fort. Oh Jésus, tu règnes. Toute ta puissance est dans ce dont tu règnes. Hey, déclarons autorité. Hey, autorité. Elle t'a été donnée. Autorité. Jésus est le roi des rois. Sa dignité se mesure à ce que des rois comme nous acclament et s'humilient devant sa face. Des rois poussent des cris de joie, acclament le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, combien tu es digne que toute la création le voie, que les hommes le voient, qu'ils aient de la crainte et qu'ils se confient en ton nom, Jésus-Christ. Tu es digne d'être remercié par cela que tu as racheté par ton précieux sang.
Tu es digne d'être adoré. Reçois ce soir nos voix qui s'élèvent, nos mains qui s'élèvent, notre adoration qui monte comme un parfum. Nous savons que nous sommes agréés en Christ. Ayons donc la paix, étant donc justifiés, nous avons la paix avec le Père. Aussi nous approchons avec une joyeuse assurance le trône de la grâce et nous déclarons digne, digne es-tu Seigneur. Oh digne, oh digne es-tu Seigneur. Amen, amen, amen. Oui digne d'être remercié, loué, adoré. Amen. On nos yeux fixés sur Jésus, disons digne, digne. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué, adoré. Déclarons ensemble, digne, digne, oh, oh, digne es-tu, Seigneur, majesté, digne d'être remercié, loué. Déclarons digne, oh digne es-tu, Seigneur, oh oui, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, levons nos mains vers le ciel et disons, nous chantons, alléluia, amen, l'agneau sur le trône, t'adorons, t'adorons. Et nous t'exaltons et nous célébrons ta gloire. Alléluia, louons grand roi. Oh, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, redéclarons-le avec assurance, chantons digne. Digne es-tu, digne, oh digne es-tu, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir les remerciements, la louange, l'honneur. Loué, adoré, oh, nous célébrons ton nom, digne, digne, oh oui, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué, adoré. Ils élèvent leur voix d'une voix puissante et disent alléluia, alléluia. Hey, l'agneau, c'est un cantique des rachetés. Nous t'adorons et nous t'aimons, nous célébrons. Tu es plus précieux que l'or, Seigneur, plus précieux que l'argent, plus précieux que l'argent. Et Seigneur, tu es plus précieux que l'or. C'est vrai, Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Ton sang est plus précieux, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Célébrons ta gloire.
cœur émerveillé par ta dignité, nous élevons. Seigneur et notre Dieu, de recevoir la louange, la gloire, la majesté, l'autorité, la puissance, la force, la richesse, la sagesse. Les actions de grâce te reviennent. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Te rendons grâce. Toi qui as fait de nous un peuple, mais qui n'étions même pas un peuple. Tu as fait de nous le sacerdoce royal, le peuple acquis, merveilleuse nation sainte. Ta gloire et pour révéler à cette humanité, à cette création, les merveilles de ta gloire et de ta sagesse. Oh, nous bénissons ton nom. Nous sommes privilégiés de pouvoir te contempler et t'adorer. Nous t'honorons et nous t'exaltons. Merci de ce que dans ta grande miséricorde, tu nous admets en ta présence et tu fais de nous des fils bien-aimés, les premiers-nés de la création. Christ, nous te sommes et nous te rendons grâce. Tu nous places au premier rang de ta création. Quelle grâce! Nous te rendons les honneurs, te rendons l'hommage, te rendons la gloire. C'est par ta volonté que toute chose a été créée et toutes les choses qui existent sont faites en toi, par toi et pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, nous contemplons ton nom, Jésus. Nous contemplons ce précieux nom, Jésus. Esprit de sagesse et de révélation, dans le nom, dans le sang de Jésus. Connaissez, cherchez à connaître le Seigneur. La voix du prophète Osée retentit encore. Connaissez, cherchez à connaître Jésus. Au-dessus de toute domination, connaissons Jésus. Au-dessus de toute autorité, connaissons Jésus. Connaissons celui que nous adorons. Qu'à prononcer son nom, l'atmosphère est assainie. Jésus, Jésus, hey, Jésus.
besoin de faire beaucoup de phrases. Juste prononcer ce nom, c'est merveilleux. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom, puissance dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Il y a puissance, il y a puissance, hey! Puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le nom de Saint-Esprit, dit, faisons les choses dans l'ordre. Il y a pouvoir, il y a pouvoir. Aïe! Pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, le nom de Jésus-Christ. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Exousia, autorité. Pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Son nom Jésus. Puissance dans le sang, il y a puissance, hey, puissance dans le sang, dans de, Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Aspergé sur les linteaux des portes, il y a puissance dans le sang, puissance dans sur le les sang vies, de Jésus. Sur les maisons, sur les familles, le sur les Jésus. Villes. Sur les nations, il y a puissance. Il y a puissance. Dans le sang, puissance dans l'ange destructeur passe. De mais il ne peut rien. Le il doit passer Jésus. Au-dessus du sang. Il y a puissance. Dans le sang. Dans le acclamation des saints, Jésus. À l'idolâtrie, les hommes ne peuvent plus servir à l'idolâtrie. Toute la création adore Jésus. Jésus.
Saint-Esprit, la trompette sonner. Pada, 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 pada. J'entends la trompette sonner. Pada. C'est un son de délivrance, Père. C'est un son de victoire, Père. C'est un son d'autorité, Père. Le peuple qui entend le son de la trompette marche sur la clarté. Bien-aimé, Christ, mon bien-aimé, parmi des milliers, tu es le plus beau, tu es le plus beau, Christ, mon bien-aimé, parmi tu es le plus fort, des milliers, tu es le plus fort. Christ, mon bien-aimé, Christ, mon bien-aimé, parmi tu es le plus grand, tu es le plus grand,
bien-aimé. Christ, mon bien-aimé. Parmi les... Tu es le plus excellent. Tu es le plus excellent. Tu es le plus excellent. Christ, mon bien-aimé. Christ, mon bien-aimé. Parmi... Tu es souverain. Tu es souverain. Christ, mon bien-aimé. Christ, mon bien-aimé. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Yeshua. Yeshua. Alléluia, gloire, loué soit le nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Louange à ce nom merveilleux. Louange au nom qui vient d'en haut. Louange au nom le plus élevé. Louange au nom le plus excellent. Louange au nom souverain. Louange au tout-puissant. Louange au sang précieux de Jésus. Acclamons le sang, acclamons le sang. Célébrons le sang précieux. Célébrons le sang de l'agneau. Célébrons le sang précieux de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée pour nous au moyen de ton corps, de ton sang. Nous y marchons avec assurance pour nous asseoir à tes pieds mais t'écouter encore car la foi vient des paroles qui sortent de ta bouche. La vie vient
les paroles qui sortent de ta bouche. Remplis-nous encore de ces paroles de vie et de foi. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, notre Père. Asseyons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous dans votre tabernacle, là où vous nous suivez. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur est avec vous. Alléluia. Le mardi, il n'y aura pas église locale en prière. Ça sera la maison en prière. On va se retrouver dans nos maisons ou bien dans des petits groupes pour rendre grâce à Dieu et revenir ensemble sur ces trois soirées, nous édifier, partager, prier ensemble et surtout, notez-le, renouveler nos PSP, les partenaires spirituels de prière. En sortant de ces 40 jours de prière, chacun doit avoir un PSP avec lequel ils vont s'accorder sur certains sujets de prière et vérifier l'exaucement. D'accord ? Mardi, on se retrouve dans nos groupes à la maison. C'est bien entendu ? Ça permet en même temps de reposer le corps, comme on a eu trois soirées de suite. Nous allons le faire ? Est-ce que nous allons le faire ? Amen. Gloire à Dieu. Alors, d'après vous, si on a parlé du nom et qu'on a parlé du sang, on doit parler de qui ? Exactement. Amen. Nous allons parler du témoignage de l'Esprit de Jésus. C'est comme cela que je l'ai intitulé. Le témoignage de l'Esprit de Jésus. Vous savez que Jésus est sage, n'est-ce pas? Alléluia. Et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Et dans son humanité, il croissait d'abord en sagesse. Vous savez aussi que Jésus est humble, n'est-ce pas? Alors, Jésus a parlé du Saint-Esprit en toute humilité. Comment est-ce que Jésus l'a appelé? L'Esprit de vérité. Ou bien, l'Esprit que mon Père a promis, celui que mon Père a promis. Donc, pour Jésus, le Saint-Esprit, celui que nous appelons le Saint-Esprit, et l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Il est aussi l'esprit du Père. Mais avant que Jésus ne dise que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, il a dit que lui-même, il est la vérité. Si Jésus est la vérité et que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. Mais par humilité, il n'a pas voulu le dire. Et par sagesse, il a parlé en parabole. Parce qu'il avait beaucoup d'adversité. Acte 16, verset 7, va le dire clairement que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Paul a expérimenté l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et en même temps, Jésus a dit que lui et le Père sont un. Donc l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Il est bon de le dire parce que avec la foi que nous avons dans le nom de Jésus, l'appeler l'Esprit de Jésus prend une autre dimension. C'est l'Esprit de celui qui vient d'en haut. C'est l'esprit du nom le plus élevé. C'est l'esprit du nom le plus excellent. C'est l'esprit du nom souverain. C'est l'esprit du nom tout-puissant. Il est l'esprit de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Et le sang précieux de Jésus, c'est le sang de Jésus. Et Jésus est venu sur la terre en tant que fils de Dieu. Le sang d'un enfant vient de son père. Dieu est devenu homme dans la personne de Jésus-Christ, afin que par son sang précieux, il puisse nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. De la même manière que nous avions hérité une vie vaine de nos pères par la naissance naturelle, maintenant nous avons hérité d'une vie qui compte, de Dieu nos pères, par la nouvelle naissance. La naissance surnaturelle. Et celui qui a rendu cela possible, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Regardons. Je nous ai montré hier soir que le sang de Jésus confirme, n'est-ce pas, appuie et amplifie l'autorité absolue de Jésus. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Le sang de Jésus confirme, appuie et amplifie l'autorité absolue de Jésus. Et ce soir, nous allons voir que l'Esprit de Jésus confirme, appuie et amplifie l'autorité absolue combinée du nom de Jésus et de son sang précieux. On peut tout faire avec le nom de Jésus. On peut faire plus que tout avec le nom et le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le nom, le sang et l'Esprit de Jésus? C'est extraordinaire. N'allez pas chercher des armes ailleurs. Les armes sont dans la parole. Les solutions sont dans la parole. Les réponses sont dans la parole. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, 11 dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par... » Le nom et l'esprit ont agi ici pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Le nom et l'esprit ont agi ici. Regardons Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu éternel. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que... Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent qui leur avait été promis. Ici, nous voyons que le sang et l'esprit interviennent. Quand on dit un esprit éternel, il n'y en a qu'un seul. On doit dire plutôt l'esprit éternel. C'est le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Son sang et son esprit ont agi ici. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, son nom et son esprit ont agi. Ils se tiennent la main dans la main.
1 Jean chapitre 5, versets 4 à 13. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 13. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci. Arrêtons-nous d'abord là. C'est-à-dire, tout esprit qui croit en l'incarnation de Jésus est de Dieu. Ah oui. Dieu y tient tellement de croire que Jésus était sur la terre sous forme humaine. Parce que si on ne croit pas ça, on n'a pas de sang pour être sauvé. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Continue. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est... Il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons. Il y a un combat entre deux témoignages. Le témoignage de l'Esprit et la vérité. Le témoignage du Saint-Esprit et la vérité. Et le témoignage du Saint-Esprit est appuyé par l'eau et le sang, c'est-à-dire la parole et le sang de Jésus. De Jésus qui a été faite chair, la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et c'est cette parole qui s'est offerte pour nous et qui a offert son sang au tabernacle céleste pour obtenir pour nous une rédemption éternelle. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il était bon que je mette ces textes devant nos yeux.
Parce qu'il y a un combat entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur est subtil. Il peut prêcher la Bible, mais relativiser l'incarnation de Jésus. Mettre de côté son sang. Il agit déjà dans le monde. Mais nous avons l'esprit de vérité en nous. Ce qui importe pour moi, c'est le témoignage maintenant. Le Seigneur m'a dit de recentrer le message sur le témoignage de l'esprit. Pas sur sa personne, mais sur le témoignage de l'esprit. Le témoignage. Pour témoigner, il faut faire quoi? Quelqu'un a dit ça, dis-le à haute voix. Pour témoigner, il faut faire quoi? Il faut parler. Un témoin n'est pas muet. Alléluia. Un témoin n'est pas muet. Et l'Esprit parle. Jésus a dit qu'il est venu pour le glorifier. Il parle de manière à glorifier Jésus. L'Esprit parle. Amen. Notre texte de base maintenant se trouve dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 6. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit. Il dit des mystères en esprit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les console, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Arrêtons-nous d'abord ici. Ici, Paul est en train de parler de deux langages. N'est-ce pas? Le parler en langue et la prophétie. Il dit, quand tu parles en langue, tu ne t'adresses pas aux hommes. Tu t'adresses à Dieu. Personne ne te comprend. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre. Parce que tu ne leur causes pas. C'est à Dieu que tu parles. Mais celui qui prophétise, il ne prophétise pas sur Dieu. Tu peux prophétiser sur Dieu? Non. Celui qui prophétise, lui, il parle aux hommes. Mais il parle aux hommes de la part de Dieu pour faire quoi? Pour les édifier, les exhorter et les consoler. Et Paul dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. D'accord. Mais il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Parce que quand tu parles en langue, tu t'adresses à Dieu. Tu n'es pas utile pour les hommes. Mais quand tu prophétises, tu es utile à la fois pour Dieu et pour les hommes, parce que prophétiser, c'est ne pas édifier les autres, consoler, exhorter avec tes propres paroles. Non, avec les paroles qui viennent de Dieu. De la part de Dieu, tu édifies les autres, tu les exhortes et tu les consoles. Donc tu es utile à Dieu qui veut édifier, qui veut exhorter, qui veut consoler. Et tu es utile aux hommes parce que, oui, tu les édifies de la part de Dieu. Donc quand il dit que celui qui prophétise est plus grand, il est en train de dire que celui qui prophétise est plus utile. Il est juste plus utile aux hommes. Mais vous le savez fort bien
Le parler en langue et la prophétie ont un verbe en commun. C'est lequel? C'est édifier. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie les autres. Il y a le verbe édifier. Ils ont le verbe édifier en commun. Seigneur, aide-moi. Mais vous savez très bien que pour édifier les autres, tu dois être édifié toi-même. Pour être crédible, n'est-ce pas? Amen. Pour être crédible dans l'édification des autres, il faut être édifié toi-même. Et là, on commence à comprendre qu'en fait, la prophétie est le résultat du parler en langue. Tu ne peux pas parler beaucoup à Dieu sans sortir avec des paroles pour les hommes. Tu es tellement enrichi dans ta communion et dans ta communication avec lui que tu as de bonnes choses à dire aux hommes. Et Dieu dit, viens me parler en parlant en langue. Utilise ce langage exclusif, ce langage d'intimité qui n'appelle pas une troisième personne. C'est un langage entre toi et moi. C'est rien que nous deux. Viens, parlons ensemble avec mon langage. Mais Seigneur, je parle en langue, je ne comprends pas. Il dit, oui, c'est bien, c'est bien. Je veux que tu laisses tes cinq sens dehors. Je veux que tu laisses tes raisonnements, ton intelligence dehors. Viens avec ton cœur, avec ton esprit. Laisse mon esprit te faire dire un discours qui n'a aucune faute, qui n'a aucun propos inutile. C'est le parler en langue. C'est un langage parfait. Là où Dieu se retrouve pleinement. Là aussi, c'est une requête. Nos requêtes ne sont pas mêlées avec nos désirs égoïstes. C'est la prière précise. C'est la prière précise. C'est une prière qui n'a pas de déchet. Quand tu parles en langue, Dieu prend chacun de tes mots. Amen. Dieu ne fait pas de résumé, il ne trie pas. Parce qu'il n'y a pas de déchet. Il n'y a pas d'humanité dans tes propos. Tout est divin. Du début à la fin. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Il vient parler à Dieu de notre part, à travers notre bouche, à travers notre cœur. Il dit, laisse un peu le français, laisse un peu l'arabe, laisse un peu ta langue maternelle. Viens avec la langue que je te donne. Parce que même nos mots sont imparfaits. Tu sais, même quand tu pries pleinement dans la volonté de Dieu, mais parce que tu pries en français, tu utilises une langue imparfaite. C'est difficile d'être très, 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 très précis en parlant une langue humaine. Mais on est tellement précis en parlant la langue de Dieu. Alléluia. Regardons, je suis juste en train d'entourer un peu le sujet avant d'entrer dans le vif de ce sujet. Regardez, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14. Regardons des versets plus loin. Où sont-ils ces versets? Où sont-ils? Regardons plus loin dans 1 Corinthiens 14. Je vais voir dans ma Bible. Paul dit ceci. Il dit au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Sachant qu'il avait dit que celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, toutes les révélations de Paul viennent du parler en langue.
ces mystères qu'il a révélés, c'est parce qu'il priait, il parlait abondamment en langue. Dites avec moi, je prierai abondamment en langue. Écoutez-moi, la chair n'aime pas le parler en langue. Je ne parle pas du diable. Le Seigneur m'a dit hier, le mot Satan est sorti souvent dans ta bouche. Donc aujourd'hui, je vais veiller sur ma langue. À cause du contexte de ce que je devais dire. La chair n'aime pas le parler en langue. Parce que la chair s'oppose aux choses de l'esprit. D'accord? À part la chair, ton intelligence n'aime pas le parler en langue parce que il ne comprend pas. L'intelligence ne comprend pas. Deuxièmement, ton côté émotionnel n'aime pas le parler en langue parce qu'il n'y a pas de chichi dans ce langage-là. Et tu vas voir que ce n'est pas facile de prier abondamment en langue. Je veux te prévenir. Parce que le but de cette soirée, c'est de t'envoyer avec une instruction. Parle abondamment en langue. Et tu vas comprendre ce que ça produit. Ça, c'est le but de mon message aujourd'hui. Mais je te préviens déjà. Il faut que tu te le rappelles souvent parce que de manière naturelle, tu ne parleras pas abondamment en langue. Paul parlait abondamment en langue. Ça, c'est la première information. C'est là qu'il a puisé tous les mystères que nous connaissons. Pourtant, il n'est pas le premier à avoir parlé en langue. Pierre aurait pu découvrir ce que Paul a découvert. Mais il s'est limité lui-même. Les 120 premiers disciples qui ont été remplis de l'esprit avant Paul auraient pu découvrir ce que Paul a découvert. Ananias même, qui a imposé les mains à Paul pour qu'il soit rempli de l'esprit, aurait pu découvrir ce que Paul a découvert. Mais ils se sont limités eux-mêmes. Est-ce que tu vas te limiter? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardons le verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire que quand Paul était dans l'église, ok, n'est-ce pas? C'est parce qu'on lit vite. Hein? Paul, il dit des choses et il dit d'autres choses sans les dire, pour ceux qui cherchent. Si on invite Paul ici, à notre réunion, et qu'il dit 5 paroles, parce qu'il est avec nous, cela veut dire quoi? Dans sa chambre, il en a dit combien? 10 000 en langue. C'est-à-dire, c'est 10 000 paroles en langue qui lui donne 5 paroles d'édification, d'exhortation, de consolation. D'accord? Maintenant, si tu n'as qu'une seule parole dans l'église, d'édification, d'exhortation et de consolation, c'est parce que tu as parlé, 10 000 divisé par 5, ça fait combien? 2 000. C'est parce que tu as dit 2 000 paroles en langue. Oh, toi, tu en dis seulement 100. Donc, quand tu viens, tu n'as aucune parole édifiante. Tous mes enseignements viennent du parler en langue. Tout. Pourquoi je vais perdre mon temps à parler avec Dieu en français? Quand je suis seul avec lui. C'est pour mon propre plaisir que je parle en français. Je te parle, non? Parce que là, tu es satisfait de comprendre ce que tu dis. Et puis avec une pincée d'orgueil, parce que là, j'ai fait une poésie. Dieu, ah non, aujourd'hui, Jésus est touché. Je lui ai parlé plus qu'Alain Moloto. Pour ceux qui connaissent Alain Moloto.
un homme qui a eu un don extraordinaire d'utiliser les mots. Et c'est très bien. Qui d'entre nous dit 2000 paroles en langue par jour? Qui lève la main? C'est pour ça que tu n'as aucune parole d'édification. Aucune parole d'exhortation. Aucune de consolation. On parle du lieu secret ici. D'accord? Ne viens pas nous dire 10 000 paroles en langue ici. Non, on n'en a pas besoin. Ah, j'ose le dire, hein? J'ose le dire, on dit, mais oui, c'est quel pasteur charismatique, c'est quel pasteur évangélique? Qui vous a dit que je suis évangélique? Qui vous a dit que je suis charismatique? Qui vous a dit que je suis protestant? En tout cas, c'est sûr, je ne suis pas protestant. Je proteste contre personne. Qui vous a dit que je suis catholique? Je suis un disciple de Jésus. Ça ne m'intéresse pas les traditions religieuses, religio-chrétiennes. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ici que tu dois dire 10 000 paroles en langue. Ici, on a besoin de tes 5 paroles d'édification. Mais pour que tu y arrives, chez toi, tu dois dire 10 000 paroles en langue. Si tu dis moins de 2000 paroles chez toi, tu n'as aucune parole d'édification, d'exhortation, de consolation. C'est pour ça que même quand tu cites les versets bibliques, ça ne touche pas les gens. Un jeune homme est allé me voir dernièrement et dit, mais pasteur, dis-moi, quel est ton secret? Comment tu fais pour que... En fait, ce verset-là, moi aussi, je l'ai lu. Maintenant, c'est ça la réponse. Je ne lui ai pas répondu la première fois. La réponse, c'est le parler en langue. Abondant en langue. Est-ce que tu acceptes ça? Mais dans son intimité avec Dieu. Parce que c'est pour Dieu. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, regardons. Verset 13. C'est pourquoi... Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Soulignez le mot stérile, d'accord? Soulignez ça. Non, Dieu est merveilleux. Soulignez ça. Soulignez ça. J'ouvre une parenthèse pour aider quelqu'un, parce que je sens que je dois dire ça. Il y a des moments où ton intelligence doit devenir stérile. Tu dois stériliser ton intelligence. Parce qu'elle t'induit en l'erreur. Ou bien elle t'empêche de croire. Tu comprends? Donc, comment on fait pour stériliser son intelligence? Parlons là. Tu comprends? Par exemple, quand tu es vraiment à fleur de peau, tu sens que vraiment tous tes sens sont à vif, que ce soit pour la colère, tu es devenu hypersensible, soit pour la colère ou pour la convoitise ou pour la gourmandise. Tu comprends? Tu peux stériliser ton âme, endormir ces sensations-là, endormir cette convoitise. Comment? 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 Voilà, je vous donne des secrets. Je vous donne des secrets. Pasteur, ces derniers temps, je lutte avec des pensées impures. Tu ne parles pas assez en langue. Parle abondamment en langue. Tu vas renverser. La sensibilité va renverser. Tu deviendras de plus en plus sensible aux choses de l'esprit. Et de moins en moins sensible aux choses de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aurais aimé qu'on me dise ça, ce que je suis en train de vous dire. Quand je luttais, j'aurais aimé qu'on me dise ça.
Et quand on est dans une salle d'opération ou simplement pour les soins infirmiers, tu as eu une blessure, tu vas chez un infirmier, le ciseau qu'elle utilise est stérilisé. Et donc le ciseau devient utile. Si tu stérilises ton intelligence, elle va devenir utile. Si tu stérilises ton âme, elle va devenir utile. Un jeune homme m'a posé une question pertinente un jour. Il dit, mais pourquoi Dieu a mis en nous des désirs? Et il nous dit de ne pas vivre dans l'impudicité. Il dit, pasteur, regarde, dans la vie moderne aujourd'hui, plus ou moins on ne peut pas se marier avant 25 ans. Il a fait ses statistiques. Pourquoi la puberté commence à 13-14 ans? Il fallait que ça se réveille à 24 ans. Première réponse, Dieu a mis les désirs pour que ça soit utile dans le mariage. S'il n'y a pas de désir dans le mariage, il y a un problème. Ta femme va aller voir un médecin ou ton mari va aller voir un médecin. Maintenant, Dieu a allumé ça avant pour que tu apprennes à les maîtriser avant d'entrer dans le mariage. Parce que le but du mariage, ce n'est pas la sexualité. On ne se marie pas parce qu'on brûle. Votre mariage deviendra un enfer. Donc depuis 12 ans jusqu'à moi, je me suis marié à 32 ans. Il a fallu que quelqu'un fasse... Donc pour toi, c'est impossible. Prie beaucoup en langue. Prie en langue. Vous voyez, on est dans l'église. Il dit non, mais il ne faut pas dire ça, c'est impur. Tu as lu le cantique de cantique. C'est l'habit. On va lire ça. C'est la parole de Dieu. Si tu ne parles pas de la sexualité dans l'église, tu en parleras impudiquement en dehors. C'est l'endroit où on doit en parler proprement. Donc ne fais pas semblant d'avoir honte. Tu es content au fond de toi. Je le sais. Bon, c'est-à-dire si tu stérilises ton intelligence, tu stérilises ton âme, elle deviendra utile. Tu ne seras pas insensible. C'est-à-dire que l'intelligence va suivre maintenant la foi. L'intelligence va se mettre au service de la foi. Quand tu adores le Seigneur, tu es hypersensible, mais pour les bonnes choses. Tu n'es pas comme un morceau de bois. Christ, mon bien-aimé, parmi les milliers. Jésus regarde. Ah! Ça, c'est mon bien-aimé. Ça va pas. Tu es le plus beau. Vous riez, mais ça ne marche pas, non? On doit sentir la passion. Mais quand je vous ai regardé pendant la canne, je vous regardais de loin. Vous ne saviez pas, hein? Je vous vois en esprit. Cet homme roulé par terre. Ils n'ont jamais roulé pour Jésus ici. Félicitations, les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est ajouté dans ta vie? Réponds-moi. Il dit, on a gagné. Toi, tu as gagné. Toi, tu es dans le « on » là. Tu n'as vendu aucun maillot. Tu n'as vendu aucun achéquedrome. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent sans être sur le terrain. Si vous voulez voir les adorateurs, allez dans les stades. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment la personne qui est glacée ici est chaude là-bas. Ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Je ne suis pas contre que tu sois chaud là-bas. D'accord? Parce que ça fait c'est une petite joie. Mais tu dois être plus chaud ici. Amen.
Parce qu'eux, ils sont des champions. Nous, on est des conquérants vainqueurs. L'année prochaine, ils vont remettre leur titre en jeu. Vous voyez la différence entre un champion et un conquérant? Donc, on doit être plus passionné pour Jésus. Ça ne me dérange pas que tu sois content pour un match de football. Non, non, non. Ce n'est pas un péché, d'accord? Ce n'est pas un péché. Mais tu dois être infiniment plus content pour Jésus. Oui, c'est là devant nous. Ce sont des versets. Je n'ai même pas encore commencé. Continuons. On était à quel verset? Verset 14. Alors il dit, que faire donc, Paul? Tu donnes la solution. Il dit, mais oui, c'est parce que vous ne lisez pas. Ou bien vous lisez rapidement. Que faire donc? Je prierai. Mais je prierai. Je chanterai. Mais je chanterai. Il commence par quoi? Par l'esprit. Tu m'entends, chante. Ta mélodie doit venir d'abord en langue. Après, tu mets des mots en français. C'est-à-dire que c'est ton intelligence qui suit maintenant la révélation. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est la révélation qui suit l'intelligence. Même les prédicateurs, on dit, les grands thèmes de la Bible, ils sont allés à l'école biblique, ils ont maîtrisé tous les grands thèmes de la Bible. Ils sont dans un mode automatique. Quand tu dis la justification, il a déjà des schémas. Maintenant, il va prier pour que le Saint-Esprit suive l'intelligence qu'il a du thème. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On prie d'abord en esprit et on prie aussi avec intelligence. On chante en esprit et on chante aussi avec intelligence. Par exemple, les chants que nous connaissons, que nous chantons, comme on n'est pas des chants, ce n'est pas nous qui les avons composés, ça ne nous concerne pas. Mais toi qui vas emmener un cantique que l'Église doit chanter, ton cantique doit d'abord être spirituel, mais tu dois le rendre intelligent, intelligible, pour que les autres puissent chanter. Vous comprenez? Frères, sœurs, priez en langue jusqu'à ce qu'une mélodie vienne. Amen. Prédicateur, prédicatrice, parle en langue jusqu'à ce qu'une pensée vienne. Étudiant, prie en langue avant d'ouvrir ton cours et de le réviser. Travailleur, prie en langue avant de commencer tes tâches. C'est là devant nous. Faites ça, vous serez émerveillés. Ma femme elle cuisine en priant en langue. C'est pour ça que j'aime sa bouffe plus que toutes vous autres. Parce qu'elle a, elle a une épice secrète qu'elle met. Parfois, le Saint-Esprit m'aide à retrouver un petit crayon. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je l'ai posé. Je peux m'en passer, mais bon, je veux quand même le retrouver. Je commence à prier en langue. Mais le Seigneur est réel. Il te rappelle qu'il y a 3 jours, tu jouais avec Azaf, vous étiez dans le jardin, puis c'était tombé sous une table. Je dis, sérieux, ça t'intéresse ça? Il dit, et alors? Et je descends, je vais, le crayon est là. Je l'aurais jamais trouvé. Mais c'est trop simple. C'est trop beau pour être vrai. On laisse tomber. Non, c'est trop beau. C'est pour ça que c'est vrai. Le ciel est comment? Tellement beau, mais le ciel est réel. Donc, on prie abondamment en langue. OK?
D'accord? On prie d'abord en esprit. On chante d'abord en esprit. Tu es tout seul, n'aie pas honte. Tu vas avoir honte de qui? Fais tes mélodies pour Dieu. Dieu aime ça. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et plus tu le pratiques, plus facile cela devient. Amen. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, si tu as 10 000 paroles en langue, tu auras 5 paroles d'édification. Si tu as 2 000, tu auras une. Si tu as moins de 2 000, tu n'auras rien. Tu parleras avec ta tête. Tu voudras édifier les gens avec ton intelligence. C'est une parabole, hein? Je parle en parabole. Mais je pense que vous croyez. N'est-ce pas? Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ton cerveau s'intéresse à la dernière phrase. L'autre n'est pas édifié. Non, moi, mon cerveau en moi a entendu autre chose. Quand je rends grâce en esprit, mes actions de grâce sont excellentes. Donc, je vais faire 10 000 actions de grâce dans ma chambre. Quand je sortirai, j'aurai 5 paroles d'action de grâce qui deviennent une édification. Parce que ce qui est dit en langue est excellent. Que ce soit la prière, que ce soit le chant, que ce soit l'action de grâce. Parlez abondamment en langue. Chantez abondamment en langue. Rendez grâce abondamment en langue. Amen. Tu te réveilles le matin, tu es émerveillé par un bienfait de Dieu. Tu es tout seul. Commence à parler en langue. Il n'y a pas un meilleur moyen de dire merci à Dieu. Mais après, ça va devenir, voici maintenant mon sujet. Regardons le verset 6. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Je suis émerveillé par la parole de Dieu. Je ne suis pas sûr de vous dire tout ce que j'ai appris. Je vais prendre juste l'essentiel. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas, 1, 2, 3, 4, par doctrine. Le flot du parler en langue, quand il est abondant, il se transforme en 4 choses. Où est-ce que j'ai appris ça? Genèse chapitre 2. Verset 11, regardez. Verset 10, un fleuve sortait d'où? Pour arroser le? Et de là, il se divisait en quoi? Et le parler en langue ici se divise en quoi? Verset 11. Le nom du premier est Pichon. Verset 12. Verset 13. Le nom du second est Guihon. Verset 4. Le nom du troisième est Hidekel. Et le quatrième, Euphrate. Un fleuve sortait d'Éden, se divisait en 4 bras. Quand tu parles abondamment en langue, ton parler en langue se transforme en 4 témoignages. 4 langages. Puisque 1 Jean 5 dit que le témoignage de l'esprit est la vérité. Tu te surprends à parler, 1, par révélation, 2, par connaissance, 3, par prophétie,
quatre par doctrine. Je ne sais pas pourquoi ce verset n'intéresse pas l'Église. Je vois rarement des gens enseigner sur ce verset, alors qu'il est extrêmement puissant. Et je nous ai montré hier et avant-hier que l'autorité s'expérimente à quatre niveaux. Un, l'autorité révélée. Deux, l'autorité reçue. Trois, l'autorité activée. Quatre, voilà. Maintenant, dans le domaine de l'esprit, nous avons laissé le domaine du nom de Jésus et de son sang. Maintenant, nous sommes dans le domaine de l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est venu là aussi pour amplifier l'autorité révélée, l'autorité reçue, l'autorité activée et l'autorité exercée. Et il me dit, si tu pries abondamment en langue, tu as vu quatre choses sur le nom de Jésus. Et tu as vu comment le sang va appuyer ça. Maintenant, si tu ajoutes le parler en langue va emmener à côté de l'autorité révélée, le parler en langue va emmener le parler en par révélation. Et ne t'arrête pas. Si tu continues à en prier en langue, à côté de l'autorité reçue, le parler en langue va emmener le parler par connaissance. Ne t'arrête pas. Si tu continues à prier en langue, le parler en langue va t'aider. Dans l'autorité activée, il va t'emmener le parler par prophétie. Si tu continues là où tu dois exercer l'autorité, le parler en langue va te donner le parler par doctrine. Mais si on pratique ça, mais on est un peuple extraordinaire, est-ce qu'on va le devenir? Est-ce qu'on va le pratiquer? Moi, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors aide-nous. Je suis en train de regarder autant. Mais montre-nous. Et il me dit, d'accord. Regarde. Le premier fleuve s'appelle Pishon. Ça veut simplement dire augmentation ou bien progrès. On va prendre un mot plus simple. Progrès. C'est le fleuve du progrès. Jésus parlant avec la Samaritaine. Vous savez, quand vous lisez l'évangile de Jean, pour nous, c'est plusieurs histoires qu'on a assemblées, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire, c'est la même pensée qui est développée et Dieu a amené des circonstances cohérentes pour développer sa pensée jusqu'au bout. Jean a commencé en nous montrant que quand on croit en Jésus, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et à la fin, il nous dit que ces choses étaient écrites afin que quiconque croit ait la vie. Et il précise, Jean dit hein, que Jésus a tellement fait des choses que si on les écrivait, tous les papiers du monde ne suffiraient pas. Vous le savez, non? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il est en train de nous dire, donc j'ai dû choisir sept miracles. Devant une infinité de miracles, pourquoi j'en ai choisi sept? Parce qu'il a fallu que je fasse un choix cohérent, parce que mon but, c'était simplement de vous montrer que si tu crois, tu deviens un enfant de Dieu. Donc j'ai aligné des événements comme un parcours, comme un chemin pour atteindre un but. Donc, quand tu comprends ça maintenant, il ne faut plus lire les histoires comme des histoires isolées. Non, ce sont des histoires cohérentes, hein, chronologiques pour atteindre un but. Je vous parle? Restez avec moi, s'il vous plaît. Restez avec moi. Restez attentif. C'est très important. Alors, à la femme samaritaine, Jésus dit, si tu crois, si tu bois de l'eau que je te donne, cette eau deviendra en toi une source, pas deux,
une seule, et elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus venait de la connecter à Éden. Et dans le chapitre 37, verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves. Une source qui produit des fleuves. Exactement comme en Éden, un fleuve qui se divise en quatre bras. Exactement comme dans 1 Corinthiens 14, un parler en langue qui se divise en quatre genres de parler. Par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Pour édifier les gens, c'est la prophétie. Mais ta vie à toi, elle dit, quand tu pries abondamment, abondamment en langue, abondamment à un moment donné, le flot du parler en langue se transforme. Parce que ton intelligence est stérilisée maintenant, ton intelligence est soumise maintenant au parler en langue, que tu commences à interpréter. Tu peux l'interpréter de manière intelligible et ça devient une révélation, ça devient une connaissance, ça devient une prophétie, ça devient une doctrine. Et vous faites bien de recevoir parce que ça, c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas un cours d'école biblique. Oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. C'est la vie que je mets devant vous. Si tu pries abondamment en langue, tu vas expérimenter ces quatre dimensions. Ainsi, le premier fleuve, c'est Pichon, c'est le progrès. Ça veut dire simplement, tu vas entrer dans le progrès. Par quel miracle? Par le miracle du parler en langue. Dieu va te donner l'intelligence pour progresser. Mais il faut que la vie nous enseigne. De manière schématique, on nous dit que pour réussir, il faut avoir un diplôme. Mais je connais des gens qui ont des diplômes et qui sont misérables. J'en connais d'autres qui n'ont pas de diplôme et qui ont ce qu'on pensait obtenir par un diplôme. Je ne suis pas en train de dire de ne plus étudier. Non, 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 ne méprenez pas mes propos. Ne méprenez pas mes propos. Mais le progrès, celui qui a le secret du progrès, c'est le Seigneur. Je suis assis là dans ma chambre, je dis, Seigneur, tu veux me dire que si je prie abondamment en langue, je vais progresser? Il me dit oui. Je lui ai dit, Seigneur, rien que ça, il me dit oui. Et ça là, je suis resté 2 heures. Parce que je sens que mon cerveau n'accepte pas. Et puis mon cerveau commence à dire, si tu pries en langue et que tu ne travailles pas, est-ce que tu vas progresser? Et l'esprit me dit, qui t'a dit qu'en priant en langue, tu ne vas pas? Si tu es édifié, la paresse quitte ton âme. L'irresponsabilité quitte ton âme. L'égoïsme quitte ton âme. La mendicité quitte ton âme. La paralysie quitte ton âme. Je ne sais pas comment vous parler. Donc je vois moi un combat entre l'intelligence spirituelle et l'intelligence naturelle. Et l'esprit me dit, ouvre ta bouche. Ne te tais pas pour réfléchir. L'intellect va prendre le dessus. Parle en langue, tu vas dominer sur l'intellect. J'ai commencé à parler en langue, voici, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tu vas progresser. Ta part, c'est l'augmentation. Tout ce que tu vas toucher va se multiplier. Oh, rassante brado boshi rasikta komantara de gade barasandest. La bia ostati klante matora da gesta bora da gedes. Nimrano moshe tere de geita kom tabadi rasto bora kante de revosha da da des. Grentara bagoshe. Alors le Seigneur me dit, quand tu pries en langue, c'est la révélation qui va te donner les clés du progrès. La révélation
ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mais c'est une compréhension spirituelle. Tu comprends? Mais la révélation, mes amis, ce n'est pas un terme de l'Église. C'est ça notre erreur. Dans le monde, on appelle ça une découverte. Une découverte scientifique, c'est une révélation. Qui a entendu parler d'Archimède? Vous respectez Archimède? Quelle intelligence il avait? Rien. Il a observé une pomme qui tombe. Il était dans une baignoire. Toi aussi, tu as vu une pomme tomber? Tu t'es vu toi-même tomber, d'ailleurs, c'est pire. Mais ça t'a rien instruit. Les savants ne sont pas des gens exceptionnels. Ils ont eu à un moment donné la révélation. Une lumière est venue. Il dit, oh, pourquoi j'y avais jamais pensé? Pourquoi personne n'y avait pensé? Il y a plusieurs années, avant les Jeux Olympiques à Londres, une femme, une Nigériane, vivotait à Londres. Vous savez comment ils font, non? Il arrive là-bas, elle est arrivée là-bas et elle a demandé l'asile. Elle a menti pour demander l'asile, comme les gens le font. Les Blancs ne sont pas bêtes, hein? C'est-à-dire, on va te mettre dans un régime tel que socialement, tu ne seras jamais épanoui pour finalement faire le sale boulot. Parce qu'ils ont besoin des gens qui vont faire le sale boulot. Ils en ont besoin. Elle tournait en rond, elle tournait en rond, elle était chrétienne. Un jour, elle en a eu marre. Elle a demandé pardon à Dieu d'avoir menti. Et elle est allée voir son pasteur. Donc l'histoire que je vous raconte, je le sais de son pasteur. Elle a dit, pasteur, je suis ici, tu me vois zélé, je nettoie l'église. Mais ma vie ici repose sur un mensonge. Elle a demandé pardon, ils ont régularisé ce qu'ils pouvaient régulariser. Elle avait ressenti la paix, mais elle sentait comme une pression. Vous savez, il y a des moments où la pression qui était sur Jaïbet, elle vient sur nous. Et dans mes limites, tu te sens à l'étroit. Tu réagis pas. Alors elle a dit, mais Seigneur, je tourne en rond. Je fais des sales boulots. Et le Seigneur lui a dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'as-tu dans la main? Elle est une excellente cuisinière des plats africains. Elle a dit, mais c'est ce que je sais faire. Et l'Esprit lui a dit, commence un petit restaurant, mais crée un site web. Il y a très longtemps, elle a commencé un petit restaurant, elle a créé un site web. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelques semaines plus tard, le comité olympique était en train de se réunir pour organiser les Jeux olympiques. Et ils se sont dit, mais nous avons une forte communauté africaine. Vous voyez? Donc il faut qu'on ait un service d'accueil aussi pour eux. Tapez sur Internet. Restaurant africain. Elle avait l'un des plus petits restaurants, mais c'était le seul qui était sur Internet. Voici la dame qui va signer le contrat avec le CEO des Jeux Olympiques. Sa vie a basculé jusqu'à aujourd'hui. Révélation. Révélation. Les grandes découvertes, c'est la révélation. Hier, je suivais les infos, un couturier africain qui a fait une exposition en France. Maintenant, presque tous les grands artistes portent ses habits.
sa marque de fabrique, c'est des nattes. C'est dans chaque tenue qu'il conçoit, il y a des nattes. Parce qu'il dit, en Afrique, dans le pays d'où il vient, on fait des nattes. Donc c'est à partir de là qu'il a glissé un tissage de nattes dans ses vêtements. Et c'est devenu sa marque de fabrique. Aujourd'hui, tous les grands noms portent ses vêtements. Rien que ça. J'ai dit, mais moi, je suis couché sur des nattes combien de fois? Une révélation. Je viens sur quelque chose qui va être peut-être vous être plus familier. Comment tu sauras que c'est elle que tu dois épouser? C'est lui que tu dois épouser. Tu regardes avec tes yeux. Mais si tu es dans la révélation, tu vas voir son avenir. J'étais pas épousable quand ma femme m'a dit oui. J'étais intellectuellement inépousable. J'étais intellectuellement un danger pour une jeune sœur qui va me dire oui. Mais elle avait la révélation. Je ne parle pas de vos révélations là. Dieu m'a dit, c'est toi la femme de ma vie. C'est interdit ici, hein. Sœur, si un frère dit ça, viens me dire son nom. Je vais le convoquer. Je vais appeler deux frères judokas. On le fouette d'abord. Parce que moi, tout seul, il va réagir. Après, je lui parle. Révélation, mes amis. Ça veut dire découverte. Penser à un truc sans une connexion cognitive, intellectuelle. Vous m'entendez? Tu vas sauter des étapes intellectuelles et tu arrives au bon résultat. Les gens disent, comment tu as fait? C'est seulement comme ça. J'ai seulement fait comme ça. Non, mais explique-nous. C'est comme ça seulement. Mais alors, pour expliquer, tu passes au second fleuve, la connaissance. Alléluia. Parce que la révélation ne s'explique pas, mais la connaissance, elle s'explique. Archimède a vu une pomme tomber, après il a eu une formule. Maintenant, on peut se passer de lui, on utilise la formule, ça marche. Ce n'est pas comme vos ancêtres là en Afrique. Il fait un truc, il y a des résultats, mais quand on lui dit, mais comment on fait ça? Rien, on ne sait pas. Il passe par les démons. Il n'y a pas la science dessus. Pierre nous dit, joignez à votre foi, quoi? La science ou la connaissance. Oui, par exemple, tout ce que je vous enseigne, c'est venu en moi comme un dépôt comme ça, en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, quand j'ai capté 1 Corinthiens 4, 6, je prie en langue, mon esprit va dans Genèse 2, je prie en langue, mon esprit fait toutes les connexions. Maintenant, il faut s'asseoir pour bosser. Ah ouais. On n'étudie pas pour avoir la révélation. On étudie parce qu'on a la révélation. Hey, tu vas bosser. Ah, tu vois, tu commences à comprendre, non? Il ne suffit pas de parler en langue. Quand tu as une lumière, maintenant tu vas t'asseoir, mon ami, tu vas bosser. Mais continue à prier en langue pendant que tu bosses. Parce que le professeur va être là, il va commencer à t'expliquer. Le professeur, le Saint-Esprit, celui qui enseigne toutes choses, il va t'expliquer étape par étape. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait point étudié? Jean 7, verset 15. Regardez. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'avait pas les moyens matériels de faire, entre guillemets, les grandes études. Il n'avait pas les moyens matériels. Donc, si tu n'as pas fait de grandes études, tu n'as rien perdu. Va dans le lieu secret. Mais Jésus savait lire. Luc 4, verset 16. La pire des choses qui puissent arriver à un humain sur la terre,
c'est de ne pas savoir lire la Bible. Parce que le succès et la réussite appartient à ceux qui méditent le livre jour et nuit. Et qui parlent le langage de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Si tu pratiques Josué 1:8, tu vas réussir. Tu auras du succès. Que tu aies beaucoup de diplômes ou que tu en aies moins. Le secret du succès n'est pas dans les diplômes. C'est pourquoi que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs qui font les cours d'alphabétisation. Les apôtres étaient aussi des gens sans instruction, les premiers. Mais on les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais Paul, lui, il était bardé de diplômes. Mais quand il a découvert Christ, c'était de la boue. Mais attention, il dit quelque part, quand vous allez venir, n'oubliez pas le parchemin. L'homme de révélation, mais un bosseur, un lecteur des parchemins de la Bible. Ce n'était pas des romans philosophiques. C'est pour te dire que pour passer de la révélation à la connaissance, il faut travailler. On n'étudie pas pour avoir la révélation, mais on étudie parce qu'on a la révélation. Regardez la rigueur que Jésus avait. Tout le temps qu'il passait dans la présence de Dieu. Vous pensez que c'était pour faire quoi? Donc, la révélation passe au niveau de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Et le parler en connaissance qui est là devant nos yeux, merci, rencontre le deuxième fleuve qui s'appelle Giron. Giron veut dire éclat. Réfléchissez, réfléchissez. Pichon, c'est progrès, n'est-ce pas? Et puis après, Giron, c'est éclat. C'est-à-dire que ton progrès devient éclatant. Donc, Pichon, c'est un progrès qui n'est pas perceptible. Les gens ne voient pas, il n'y a pas d'éclat. Mais toi, tu sais que tu grandis. Tu sais que tu progresses. Tu sais que tu prospères. Comme Jésus, pendant 30 ans, il croissait en sagesse, en grâce, en statut devant Dieu et les hommes. Petit à petit, pendant 30 ans, ce n'était pas perceptible. Jusqu'au jour où ça a été découvert. Il est passé au stade de l'éclat. Mais justement, c'est quand il a été présenté au grand jour qu'il a commencé à enseigner. Il avait la connaissance. Vous comprenez? Il avait la connaissance. Il avait la connaissance pour enseigner aux autres. Je suis en train de synthétiser comme ça. Donc, dans Pichon, ton progrès, il est surnaturel. Mais il semble naturel pour les gens. Vous voyez? C'est bon. Les gens qui te connaissent savent que tu es un peu à l'étroit. Tu n'as pas beaucoup de moyens, mais ils voient que tu as la paix. Tu as la paix. Ils sentent que ce n'est pas normal, mais quelque part, ils disent, bon, c'est son tempérament. Vous voyez? C'est un garçon courageux. C'est un bon garçon. Hein? C'est une bonne sœur. C'est déjà surnaturel, mais les gens pense que c'est naturel. Mais toi, tu sais que c'est surnaturel. Mais quand tu arrives à Guihan, là, les gens commencent à se poser des questions. Dieu est fait exprès parce qu'il sait que tu es au niveau de la connaissance révélationnelle. Donc, tu peux répondre aux questions. Tu comprends? Les gens disent, mais ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Tu dis, non, si, c'est normal. Et tu expliques.
comment Jésus, étape par étape, t'a conduit là-bas. Alléluia. Les voisins disent, mais pas les voisins du monde, hein, dans l'église, disent, mais nous avons tous entendu la même parole. Comment toi tu portes plus de fruits que nous? Il dit, mais vous l'avez dit. Vous avez entendu. Moi aussi j'ai entendu. Mais moi j'ai entendu et j'ai compris. Matthieu 13, 23. Restez avec moi, suivez-moi, suivez-moi, c'est très important. Vous êtes en train de m'entendre. Est-ce que vous avez compris? En fait, entendre, c'est comprendre naturellement. C'est pour ça que je vous parle en français. Mais comprendre dans Matthieu 13, 23, c'est comprendre spirituellement. Donc là, on entre maintenant dans la connaissance révélationnelle. C'est pour ça que Dieu oint des hommes et des femmes pour expliquer. Et c'est ce que je fais avec vous. Acte 8, 30. Comprends-tu ce que tu lis? Et dit, je n'ai personne pour m'expliquer. Ah, donc on a besoin de quelqu'un. Tu as eu une vision, tu as eu un songe, tu as eu un rêve, tu as eu un témoignage intérieur. Parfois, tu as besoin de te confier à quelqu'un qui a de la connaissance, qui est arrivé au deuxième fleuve, pour t'expliquer. L'eunuque éthiopien, c'est lui qui a emmené l'évangile en Afrique. Mais sans le contact avec Philippe, il n'aurait pas eu la gloire d'avoir cette position en Afrique. Donc toute grandeur passe par l'humilité. Quand tu te soumets à quelqu'un, tu reconnais qu'il a plus de connaissances. Il est arrivé à ce fleuve-là avant moi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc, ça veut dire que le parler abondant en langue va me débarrasser de l'orgueil. De l'excès de confiance, de la suffisance. Vous voyez? Le péché de l'orgueil qui se couche à ta porte va être nettoyé par le parler en langue. Ce fleuve puissant de guérison va nettoyer l'orgueil. Et humblement, tu vas demander conseil. Alléluia. Regardez Marie. L'ange est venu avec une parole. La parole de Marie. Tu deviendras enceinte. Ainsi de suite. Mais regardez l'humilité de cette dame. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Gabriel savait ce qu'il faut faire. Regardez Ananias. Le bon Ananias. Celui qui a prié pour Paul, n'est-ce pas? Quand Jésus lui est apparu, il lui a dit quoi? D'aller prier pour Paul. N'est-ce pas? Mais quand Ananias est arrivé, il a dit, Paul, mon frère, je suis venu, donne-moi le texte. Je veux être précis. Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit. Lisez en haut. Jésus ne lui avait pas dit ça explicitement. Mais il avait la connaissance. Paul avait la révélation. Il priait, il voyait en vision un homme qui va venir. Il a la révélation. Mais il n'a pas la connaissance que la solution, ce n'est pas seulement de recouvrer la vue, mais c'est d'être rempli de l'Esprit. Il y a des gens qui reçoivent une guérison physique, mais qui ne vont pas jusqu'au but que Dieu avait prévu, au-delà de la guérison. C'est la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu pries abondamment en langue, tu arrives au fleuve du progrès. Ne t'arrête pas. Le progrès est bon, hein? Beaucoup de gens s'arrêtent là. Demandez à Élisée. Élisée, quand il faisait son dernier voyage avec Élie, plein de prophètes
avait atteint des niveaux spirituels, certains niveaux spirituels avant lui. Vous avez déjà pensé à ça? Quand ils sont arrivés à Gilgal, ils ont trouvé des fils de prophètes qui avaient de l'avance sur Élisée. Mais ils s'étaient contentés de ça. À Jéricho, ils avaient de l'avance. Ils étaient arrivés là avant lui. Mais le progrès a stagné. Élisée, lui, il a continué. Alléluia. Parfois, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Le feu entre dans ta chambre. Ton corps commence à s'agiter. Ton âme te dit, ça y est, tu n'es pas arrivé. Tu ne fais que commencer. Regardez le jour de la Pentecôte. Oh Seigneur, aide-moi. Les langues de feu sont descendues. Ils ont commencé à parler en langue. Ils disaient des merveilles de Dieu. Tout le monde les entendait dire des merveilles de Dieu. C'était un spectacle extraordinaire. Aujourd'hui, la plupart de nos réunions, des réunions charismatiques, sont comme ça. On sent l'onction dans l'air. On sent l'onction dans l'air. Et on s'arrête là. Mais si Pierre ne s'était pas levé pour prêcher, il n'y aurait pas 3000 convertis. Pourtant, ils auraient entendu des merveilles. Vous comprenez? Il faut pousser l'expérience jusqu'au bout. C'est ce que j'essaie de vous dire. J'espère que vous comprenez ça. Prie en langue, tu vas commencer à expérimenter le progrès. Continue de prier en langue, tu vas entrer dans le fleuve de l'éclat. Là, ton progrès ne peut plus être caché. Les gens vont commencer à trouver que non, ton progrès est surnaturel. En fait, dans à Pichon, le progrès est surnaturel, mais ça ne se voit pas. À Guillon, le progrès est évidemment surnaturel. L'éclat montre que non, ce n'est pas normal. Comme Jésus a dit, mais d'où lui viennent ces choses? Ses frères et ses soeurs sont ici. Il a grandi avec nous. D'où lui viennent ces choses? Mais ils ont commencé. D'où lui vient cette sagesse? Et ces miracles? Il avait la connaissance. Quand il l'expliquait, on disait, ah ouais, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Tu continues à prier en langue. Tu continues à prier en langue et tu arrives au troisième fleuve. Hidekel. Ça veut simplement dire rapide. C'est l'accélération. Et 1 Corinthiens 6, 14, 6, c'est la prophétie. Tu commences à parler par prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. N'est-ce pas? Autrement dit, ça veut dire dire ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? Vous me suivez toujours? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu parles de la part de Dieu, tu dis aux hommes ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Que la lumière soit. Ça a pris combien de temps? Ça devient rapide. Par le mystère de la prophétie. Oh Seigneur. Tu as la révélation, tu as la connaissance, tu comprends ce que Dieu fait et comment Dieu procède. Mais après, tu l'emmènes à la manifestation. En parlant comme Dieu. Dieu résout ses problèmes comment? En parlant. Et ça, ce sont des vraies paroles de prophétie. Une simple parole, un problème de 20 ans est résolu en un instant. Tu deviens rapide. Seigneur, aide-les à recevoir ça. C'est Hidekel. Tu deviens rapide. Regardez tous les remue-ménages qu'ils ont fait pendant 4 jours. Lazare est déjà enterré, ils ont un deuil. Les gens sont venus dans la maison, soi-disant pour soutenir. Ils n'ont pas de prophétie pour consoler Marie et Marthe. Ils n'ont pas de prophétie pour les exhorter. Ils n'ont que les yako dans la bouche. Vous comprenez?
Mais quand Jésus est venu, d'ailleurs, Marie et Marthe le savaient, dit, mais Seigneur, si tu avais été ici, mais je suis là. Je peux rattraper les 4 jours. J'ai une parole de rapidité. Là où je suis resté 2 jours, je me préparais. C'est parce que j'ai eu une parole que je suis venu. Lazare sort. Une phrase a absorbé 4 jours de deuil. Une phrase. Quand ça me prend, je fais ça dans ma chambre. Pour vous et pour moi. Parfois, ça peut me prendre 3 semaines, mais quand cette parole vient, quand cette parole vient, je la déclare, je m'habille, je sors. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pour notre mariage, c'était tellement chaud. La sœur Arlette, parce qu'on revient en arrière, c'est une dame courageuse. Courageuse naturellement, mais surtout courageuse parce qu'elle a confiance en Dieu. Et donc, pendant que c'était chaud là, elle tenait bon. Mais un jour, elle a pleuré au téléphone. Ah, mon âme a été ébranlée. Parce que si on arrive jusqu'à... Si elle en a, elle pleure facilement pour vous. Très rarement pour elle. Si elle pleure pour elle-même, c'est que c'est très, c'est hyper, hyper, hyper grave. Ce jour-là, elle a pleuré au téléphone. Et on n'avait pas de WhatsApp comme aujourd'hui. J'avais chargé pour 15 minutes et ça m'a coûté une fortune. Et pendant qu'elle reniflait, c'est les secondes qui passaient. Je lui ai dit, mais explique. Et puis elle a dit 2-3 phrases, elle pleurait, paf, ça a coupé. Toute ma fortune était partie. Là, j'ai compris qu'on avait atteint la limite. J'ai dit, cette nuit, je ne vais pas dormir. Là, tu n'as pas besoin d'aide. On avait plein de gens qui nous aimaient, hein, mais qui ne pouvaient rien faire. À 4 heures du matin, la parole est venue. Je l'ai proclamée. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai écrit à un ami. Je lui ai dit, je pars au Burkina pour me marier, je veux revenir avec ma femme. Il ne m'a pas répondu. Il sait que j'ai perdu la tête. Et c'est ce qui se passa. Est-ce que j'emmène ça à votre portée? Amen. Voilà. Tu peux arriver là-bas. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Et quand tu continues, tu atteins le 4e fleuve, l'Euphrate. C'est fertile. Fécond. Hein? C'est là où tu deviens fertile, tu engendres, tu te reproduis. Quel est le mot qui est à côté dans 1 Corinthiens 4, 14, verset 6? Parler par doctrine, ça veut dire quoi? Tu deviens un docteur, un enseignant, un professeur. N'est-ce pas que ce sont les enseignants qui se reproduisent? Écoutez-moi, regardez-moi. Les ingénieurs ne se reproduisent pas. C'est les enseignants. Tu vois, tu as un problème. Regardez. Regardez. Oh Jésus, Jésus. Matthieu 4, verset 23, il dit, on résume le ministère de Jésus, il enseignait, n'est-ce pas, dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire que la prédication de Jésus reposait sur son enseignement.
C'est le ministère de docteurs qui produisait le ministère d'évangélistes, qui proclamait et les choses se passaient. Comme beaucoup de choses se sont passées déjà de ces deux derniers soirs. C'est dans votre esprit. Vous allez vous en rendre compte parce que vous êtes exposé à cet enseignement. Je suis en train de fertiliser votre esprit. Parce que je suis arrivé au quatrième fleuve de l'Euphrate. Je fertilise votre esprit par l'enseignement, par la doctrine. Il dit dans Matthieu, allez enseigner en l'effet de toutes les nations les disciples. Comment? Les baptisants et? Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est la transformation d'une nation, d'une ethnie, d'une famille par l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement dans Matthieu. Mais dans Marc 16, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu vois, tu prends ton mangue, tu lui prêches l'évangile, il va te donner du fruit. Mais l'assurance de cette prédication repose sur l'enseignement. Sur quelle doctrine tu te bases? Ah mais oui! Est-ce que tu es arrivé au fleuve de l'Euphrate? Parce que sans enseignement, la prédication va être biaisée. Biaisée. La prédication corrige les symptômes. L'enseignement déracine les problèmes. Et vous regardez dans la Bible, le fleuve qui est resté, c'est l'Euphrate. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Si vous suivez les enseignants inspirés, vous allez retrouver tous les autres fleuves. Si vous avez perdu l'Euphrate et que vous avez Pichon, vous allez échouer. Regarde dans la vie, les gens préfèrent le fruit. Moi, j'ai appris à préférer la racine. Tu coupes un arbre ici, il va repousser, te donner le fruit. Tant que les racines sont là. Mais tu le déracines, s'il y avait des fruits, vous allez manger les fruits. Ce sera le dernier fruit de la vie. L'Euphrate est resté. C'est la fertilité, la fécondité. Ça, c'est la dimension des pères. Dieu a sur la terre des gens qui ont ce statut spirituel qui arrive à se reproduire. Ils engendrent les enfants, ils les font progresser. Ils les font progresser avec éclat. Ils les font progresser avec rapidité et ils les positionnent comme des pères et ils disent bye bye, ils s'en vont parce qu'ils ont laissé des pères. Que Dieu bénisse Papa Garambira. Mais toi et moi, on doit arriver là-bas. Je vais simplifier les choses maintenant. Priez abondamment en langue. Faites jaillir la première source. Faites jaillir la première source. Une source qui jaillit sans s'arrêter deviendra un fleuve. Et si continue de jaillir sans s'arrêter, deviendra des fleuves. Tu vas arriver là-bas. Tu n'as pas écouté cet enseignement pour rien. Tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver là-bas. Tu as autorité sur toutes les puissances qui arrêtent les progrès dans la vie. Tu as autorité sur toutes les puissances qui veulent limiter les progrès dans la vie. Tu as autorité sur toutes les puissances qui veulent retarder les progrès dans la vie. Alléluia! Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus et de son sang et de son esprit. Tu entres maintenant dans ce flot maintenant. Commence à prier abondamment en langue. Prions abondamment en langue. Là où tu es, dans le tabernacle où vous êtes, priez abondamment en langue. Je veux vous entendre prier abondamment en langue. Prions abondamment en langue.
Tarandabo Shandarada, Kandaradaba Shandarada, Tandaraba Karababa. Si tu ne pries pas encore en langue, viens devant ici. Et tout le monde continue de prier en langue. Celui qui ne prie pas encore en langue, viens vite devant. Tarandabaka Shandaratabaka, Korandibadabara Shandaradakala. Ratabakaraba Shantara, c'est une soirée pratique, nous devons pratiquer. Menara koche pradora te kandarada bashadarada rasandora de karaba shandereda, priez en langue. Resondari kabo shatereda krantere de bo shanderede rasakata borande baraba shaderede. Dans le tabernacle où vous êtes aussi, ceux qui ne prient pas encore en langue passent devant. Et les pasteurs qui sont là, ils vont s'en charger. Resikato matereda goshatereda baya. Priez en langue, priez en langue. Ne laissez pas votre intelligence vous tromper. Ne laissez pas votre intelligence vous ralentir. Laissez tomber ces faux raisonnements. Priez avec assurance en langue. Priez en langue, priez en langue. Seuls ceux qui n'ont prié pas encore en langue peuvent prier en français. Sinon, tout le monde prie en langue. Chandere de Bokoria Telanda Baka Chandere te Kalanda Razada Kera Daba Chandere de Karababa Yantarada Rose Kandara Daba Shekadara Dada Yandara Kora de Boshakadara Imandera da Karaba Shendara da Karia Torada Shendara Bada Kara de Boshandere de Karababa Yantere de Rodo Boko Shikatera Dada. Et vous qui êtes devant, ça peut vous se manifester à tout moment. N'attendez pas qu'on vous touche.
d'imbiber ton esprit de sa présence. Pour que tu saches reproduire cette atmosphère chez toi. Et nous accorde la grâce de la fécondité en tant qu'adorateur. Je comprends mieux maintenant. Écoute-moi. Quand enfin Jésus a réussi à convaincre cette femme qu'on appelle la Samaritaine, que son eau était la meilleure, cette femme a dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Tu sais toi-même dans quel puits tu vas boire quand tu te sens vide, quand tu te sens lasse, quand tu te sens triste. Tu sais mon fils, tu sais ma fille. Tu sais que ça n'étanche pas ta soif. Ce vide que tu ressens, c'est un appel à l'adoration. Tout commence là-bas. Papa Karambiri dit souvent qu'il n'y avait pas de prière en Éden. Il y avait juste la communion. Quand l'Éternel venait le soir, à travers sa voix, rencontrer ses bien-aimés, Adam et Ève, il n'y avait pas de besoin, tout était pourvu. Je comprends, les délices, en fait, c'était la présence de Dieu. Éden veut dire le délice. Et les délices, c'est la présence de Dieu. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est Éden. Ta présence est Éden pour moi. Encore une fois, ta présence est Éden.
Ma fille, c'est Jésus. Alléluia. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est toi, c'est moi qui l'attends dans le lieu secret, où tu peux l'adorer sans limite, où tu peux prier en langue sans limite, parce qu'il n'y a que toi et lui, il n'y a que lui et toi. Souviens-toi de ces moments, souviens-toi de ce bonheur, pour le reproduire chaque jour, à titre personnel. Cette source va devenir un fleuve. Et ce fleuve va devenir quatre fleuves. Mais tout commence dans la source. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. C'est là où tu vas voir clair. C'est là où tout prendra un sens. Ah oui, c'est dans sa présence. Que notre regard de la vie change, notre regard de nous-mêmes, notre regard du monde, notre regard des autres, nos ambitions, nos projets, toutes ces choses pâlissent et tu entres dans les plans de Dieu. Amen. Car tu es ici pour faire sa volonté. Amen. Sa volonté avant tout. Et c'est en étant constant dans ces choses, que la source deviendra un fleuve et que le fleuve deviendra des fleuves. Allez reproduire ces choses. Allez les cultiver vous-même. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Ceux qui sont devant reprennent doucement leur place.
Simplement la porter dans cette même atmosphère. Nous allons terminer. Bénissons le Seigneur pour sa vie. Rendons grâce au Seigneur pour sa vie. Et demandons au Père de toute grâce, de renouveler ses grâces dans sa vie, ses bontés dans sa vie, de le fortifier. Lui et notre bien-aimée maman, que le Seigneur les arrose, que le Seigneur les fortifie. Pendant ces 3 jours, ils ont donné
prie avec ferveur, reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, papa. Merci. Korabashandala. Prie en langue pendant quelques instants pour notre papa. Kerebo Shakatarabai. Une prière parfaite, parfaite selon la volonté du Père. Kerebo Shakatarabai. Kerebo Sheketerebea. Lebro Shakatarabai. Nderebo Shekatarabai. Merci, papa. Korabashandarabara. Reketerebro Shekatarabai. Rima mama Shekatarabai. Yeketerebro Shekatarabai. Rima baba Shekatarabai. Nderebo Shekatarabai. Oh, Remobo Shekataraba, Yakaraba, Yenderebo Shekataraba, Reba Baba Shekataraba, Merebo Sheka. Merci, papa, pour sa vie, pour le don qu'il est pour nous, pour le don qu'il est pour le monde entier, pour l'Église, corps de Christ. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Rebaba Shindara, pour tes flots qui ont jailli de lui et qui nous ont arrosés. Merci, Seigneur. Koraba Shandelebro Shikatarabaye. Rema Mama Shikatarabaye. Rema Mama Shokodorobo Shikerebe. Merci parce que tu l'arroses. Mese Katarabaye. Rebobobo Shikatarabaye. Il est fortifié, revêtu d'une force qui vient de toi. Force dans ses membres. Force dans ses âmes. Merci, Seigneur. Korababa Shikerebe. Lui et Mama sont fortifiés en toi. Ils sont revêtus de ton onction puissante. Merci pour ta parole qui est puissante dans leur bouche. Nous te bénissons. Merci parce que tu as travaillé avec eux pendant ces 3 jours. Merci alors que ta parole est annoncée, tu as travaillé avec eux. Merci pour les miracles, les prodiges que nous avons expérimentés et que nous verrons s'accomplir dans nos vies. Nous te bénissons pour la vie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, tu peux mieux acclamer le Seigneur que cela. Alléluia. 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 Ce sont 3 jours de rendez-vous spéciaux que le Seigneur t'a fixés pour que tu connaisses les bases de ton autorité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Rentrons dans cette paix, dans cette atmosphère. Avec toutes les instructions reçues, shalom, shalom, shalom.